bientôt, c'est Orage Montoison. Et aujourd'hui, on se retrouve pour... Waouh, un immense orage. Non, pas un immense orage. Le 13 août, on a eu pire, même si j'étais pas là. Donc, comme je vous disais, les orages du 13 août sont disponibles chez... C'est un jet de Orage 26.07 qui a mis à L'Oréal sur le grand. Voilà. Mais voilà, un autre orage arrive de Martège. Même si le plus actif est là-bas au sud. Il arrive, qui est en train de ravager Pierre-Lade et puis. Et puis après ma arrivée sur Orange. Donc. Mais on risquerait d'avoir de fortes chances qu'on ait des éclats parce que l'orage, il y a un truc qui risque de se former. Et puis, j'imagine que ça va être une grosse nuage. Parce que vu les nuages qui ont caché le soleil il y a 5-10 minutes, on n'est pas prêt de revoir ce soleil. Donc c'est pour ça que je me suis arrivée maintenant. En plus, il y a un peu de vent, du vent d'ouest, donc ça signifie que le soleil, on ne la verra pas. Enfin, on ne la verra pas, mais nous avons... Parce que regardez, une nuage grise foncée là-bas, en Ardèche. C'est en train de pleuvoir, mais laisse tomber en Ardèche. Il va falloir que j'aille sur le balcon. Comme vous voyez, le soleil s'est véritablement bien caché. Ça fait du bien d'aller voir tous les fruits. C'est bon. Il fait bon. Puis vous pouvez voir qu'il y a des mammatus ici. Ces nuages qu'on trouve souvent à côté ou après les orages. Hein. Bon, même si je sais que nous, on n'aura peut-être pas les orages parce que les orages sont plus sur Saint-Étienne. Et là-bas au sud, Pierre-Lade, Molène, Orange, Avignon. Voilà. Donc, c'est ainsi que je vous dis à tout à l'heure.